Bonjour, père, ça va? Ça me fait plaisir que tu sois venu. Je reste pas longtemps. Ça fait combien de temps que t'es sorti de prison? Ça fait juste 2 jours seulement. Mes frères savent que tu es sorti? Non, je voulais simplement juste te voir. Celui que j'ai tué quand j'étais dans ma folie à cause de la mort de votre mère. Eh bien, son frère était en prison. Il s'est échappé. Il veut qu'une seule chose. M'éliminer. Écoute, père, je veux pas être mêlé à tes histoires. Je m'en vais, j'ai du travail. Non, Gary, reviens! Reviens! Pardon, monsieur. Papa? Papa? Salut. Je sais pas si la caméra marche, mais je viens d'être coincé ici. Je sais pas si je vais rester longtemps. Je sais même pas si c'est mon époque. Et je sais pas si quelqu'un verra les vidéos, mais aujourd'hui c'est le jour 1. Et j'espère que ça sera le dernier. Épisode 2. Seul au monde. Shyler, tu as pas de nouvelles où pourrait se trouver Gary? On l'a pas vu depuis 2 heures. Ça commence à faire long. J'essaye de voir comment je peux faire pour le détecter, mais j'y arrive pas. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est pourquoi le Gary venu du futur n'a pas été effacé par le flux temporel à cause de la mort de notre Gary? Mais en réalité, je pense savoir pourquoi. Alors essayez de me suivre. On t'écoute. Alors je vais vous expliquer pourquoi le Gary venu du futur n'a pas été effacé par le flux temporel. Ici, je dessine le flux temporel du Gary venu du futur. Dans ce flux temporel, il n'est pas mort à cet instant. Et il a été jusqu'ici vaincre l'exécuteur et voyager dans le temps. Ici. Il est revenu à cette époque, à ce moment-là, sauf que son intervention a fait dérégler le temps et a créé une autre ligne temporelle juste ici. Dans cette ligne temporelle où nous sommes, Gary est mort là. Est mort dans cette ligne temporelle. Sauf que s'il est mort, il ne peut pas aller là-bas, revenir dans le temps et changer le cours du temps. Ainsi, s'il ne peut pas changer le cours du temps, alors il n'aura pas d'impact pour recréer une ligne temporelle. Ça veut dire que le Gary venu du futur, il est en quelque sorte bloqué dans le temps, c'est pour ça qu'il disparaît pas. Le temps ne comprend pas, c'est une boucle qui se répète. Vous m'avez compris? Bien sûr. Ouais, ouais. Pourtant, c'est simple, non? Ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu 2 Gary en l'espace d'une minute. Oui, Jason. On l'a pas revu depuis qu'il a tiré sur Gary. Heureusement, ça nous fait un problème en moins. Maintenant, on doit retrouver Gary. J'y travaille. Thank you.
Ça fait 4 heures environ que je marche dans la même direction. Et le décor est le même. Je suis tout seul. Je dois commencer à trouver à boire, car l'homme peut survivre que 3 jours sans boire et 21 jours sans manger. Évidemment, c'est dans le pire des cas. Je vais me reposer ce soir pendant la nuit et essayer de trouver de l'eau demain, quelque part avant 48 heures. La caméra me permet de m'occuper un peu. Je vais m'allonger ici sur le sol. L'exécuteur pourra rien faire sans connaître mon code et il sait même pas où je suis. Et j'espère profondément que mes frères sont à ma recherche. C'est le jour 3. Je dois trouver un coin d'eau pour m'hydrater. Cela faisait bientôt 3 jours que je m'étais pas hydraté et j'avais plus d'espoir pour trouver de l'eau. J'étais à bout de souffle, à bout de force. J'avais repris des forces, mais je savais que j'allais rester là un bout de temps et que j'allais jamais m'en sortir. Alors il était temps que je passe à l'action. Je me suis construit un abri en hauteur pour pas que des bêtes sauvages m'attaquent. Je pense que je vais me reposer et je vais attendre plus tard pour trouver à manger.
Finalement, c'est pas très bien comme spot. Je vais en trouver un meilleur. Des fois, je me disais que tout va bien se passer, que j'arriverai à m'en sortir de cette situation. Mais des fois, je me sentais seul et je n'avais plus d'espoir pour survivre ou alors trouver à manger. Mais quand la chance te sourit au moment venu, alors il ne faut pas la louper, car tu sais que ça sera la seule et unique occasion. J'ai trouvé. J'ai enfin trouvé comment retrouver Gary. Je pense qu'il possède ma caméra, et alors s'il la possède, je peux la retracer. Alors fais-le. Qu'est-ce que t'attends ? Je peux pas. Il faut un accès au satellite pour localiser l'emplacement de la caméra. Où tu peux trouver ça ? Il faut qu'on aille voir avec celui avec qui j'ai acheté les composants de cette caméra, mais il voudra pas m'aider. Pourquoi ça ? Parce que j'ai volé ses composants. Et il voudra pas m'aider. Il faudra qu'on aille, pas en douceur. Il faudra qu'on... élimine la sécurité. Pas de problème. C'est le seul moyen pour sauver Gary. C'est la 9e nuit que je passe ici. Et il y a plus moyen. Il y a plus d'espoir. Il y a plus moyen de sortir de cet enfer. Mes frères me manquent. Peut-être que je l'ai mérité dans le fond. Est-ce mon destin de passer le restant de mes jours seul ? J'en peux plus d'être seul. Voir défiler les nuits en sachant que peut-être que c'est la dernière fois que je verrai les étoiles. Si vous tombez sur cette vidéo, mes frères, eh bien, j'ai du mal à parler. Je n'ai pas été un bon frère. Je n'ai pas été beaucoup présent. Et je le regrette énormément. Merci à vous d'avoir été là, même si ce n'est pas dans cette époque. J'ai entendu un bruit. Je suis fatigué. Je vais dormir. Alors, j'espère voir le jour demain. Je suis trop fatigué. Tu as l'air appétissant. Laisse-moi te manger. Tu vas être très déçu alors. J'ai plutôt curieuse. Tu n'as même pas idée. C'est toi qui l'as tué. Quoi ? C'est toi !
C'est bon les gars, c'est ici. Je vous laisse vous débrouiller pour tous les avoir. Très bien, Shyler. On est sur les lieux, juste à côté de toi. Rojo est resté au QG, au cas où il y a du danger. Et avec Dretchi, on va y aller. T'es prêt, Dretchi? Vas-y, passe devant. On monte à l'étage. Bouge pas ou t'es mort. Donne-moi l'accès au satellite. Non, tu m'as tout volé. Donne-moi ton flingue, Serrad. Merci. Je vais le répéter une seconde fois. Donne-moi l'accès au satellite. Non, tire pas. Ok, tiens, viens. Enfin, merci. C'est bon les gars, je sais où est Gary, on peut y aller.
Vous êtes là? Vous êtes vraiment là? Gary? C'est bon, Gary, on est là. Tu as vu, on est venu. Oui. Ça va, Gary? Tu as vu? L'abandon d'une famille n'existe pas. Merci, merci, merci. Ça fait combien de temps que t'es ici? Je sais pas. 20 jours. 20 jours. Eh bien, tu vas rester encore très longtemps. Quoi? Quoi? Non. Thank you.
Enfin, je t'ai trouvé. Je t'ai vu quand tu as combattu Gary au loin. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je peux t'aider pour ton objectif. J'ai plus rien à perdre, et je suis leur frère. Je peux être un avantage. Pareil que moi. Tu n'as plus rien à perdre? Non. Je suis aussi leur frère.